Et bien salut tout le monde, me revoilà enfin de retour sur Age of Mythology Extended Edition. Oui, ça fait plus de... une semaine et demie que je suis pas retourné sur le jeu. Comme vous le savez, j'ai été très occupé en ce moment pour faire un d'autres vidéos sur mon nouveau HTPVR. Donc vous avez dû voir le Titanfall et puis le Let's Play sur Metal Gear Solid. Donc me revoilà sur ce Walbrook sur le Edge of Mythology. Donc nous continuons notre aventure en Égypte sur le chapitre 13, le conflit, si ça veut bien marcher. Ben j'y suis déjà. Donc les rues ok, donc c'est parti. Il y a un dieu dans cette urne? Une relique d'un dieu, Osiris. Seth l'a piégé avant de le tuer. Sa dépouille a été découpée et les reliques éparpillées dans les sables d'Égypte. Khemsit était sur le point de venir à bout de celui-ci. Si Osiris est mort, à quoi bon en posséder une relique? Ce n'est pas si facile de tuer un dieu. Osiris n'est pas tout à fait mort. Si nous reconstituons son corps, il revivra. Mais si Khemsit réussit à détruire une seule relique, tout est perdu. Du calme là-bas! Nous sommes tombés dans une embuscade. Apportez la relique d'Osiris à la ville! Arcanthos et ses hommes sont tombés dans une embuscade dans le canyon. Il faut les sauver! Faites vite! Levez rapidement une armée avant que Khemsit s'enfuit avec la relique d'Osiris. La relique d'Osiris est à nous maintenant. Ils sont à terre. Ah. Ah oui, je me souviens de celui-là. Jirej. C'est un peu du jeu du chat à la souris, cet épisode-là. Oh, j'ai même des girafes avec moi. En fait, faut à chaque fois récupérer la relique. Et si jamais l'ennemi reprend la relique, bah, ils refont descendre. Puis moi, faut que je remonte. Ils redescendent, faut que je remonte. Ah bah, je crois que ça commence. On n'a pas vraiment de chance en ce moment sur Age of Mythology, c'est toujours des épisodes très courts. Hein. Et c'est pas quoi l'épisode que je pensais. Je me pense que l'épisode que dont je me souviens qui était super long, ça va être le dernier épisode. Hein. Franchement, on a vraiment pas de chance hein, en ce moment. Antio. Eh oui, putain, je me souviens. Ouais, faut faire vite parce que si jamais il va là, c'est fini, je crois. Tu dis pas de bêtises. Donc voilà, alors. Mon actualité. Donc, vous avez dû bien voir que j'ai commencé à envoyer des vidéos let's play. Enfin, des nouveaux let's play. C'est des vidéos. Des nouvelles vidéos sur ma Xbox One. Hein. Du coup, là, moment que je vous parle, je suis en train de d'envoyer la vidéo sur Wolfenstein. Et ça, ça va être des vidéos qui vont être, qui sont beaucoup de let's play, hein, parce que bon, Wolfenstein, je connais pas vraiment ce jeu, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Puis pour l'instant, mes vidéos sur la Xbox One ont pas mal été suivies, hein, je dois le dire. Je crois que le petit Titanfall, j'ai eu une quinzaine de vues, et puis l'autre, une dizaine. Mais une dizaine en une journée, hein, donc... Ah oui, comment dire... en ce moment, ma chaîne YouTube est suivie... à peu près... D'après WizTracker, ça varie de 30 à 40 vues
30 à 60 vues, pardon, par jour, non, pas par semaine, parce que par semaine, je suis consulté à peu près 3 à 400 vues. Donc c'est plutôt bien, là, franchement, je suis content de moi. Je suis très content de moi, pour continuer encore dans cette lignée. Je commence à gagner un peu d'abonnés, hein, j'en ai gagné 3 la semaine dernière. Bon, comme je vous ai dit, pour la 50e vidéo, c'est bien ça. Pour ma 50e vidéo, j'avais promis, j'espère avoir plus de 50 abonnés avant la fin de l'année. Et si ça continue comme ça, je pense y arriver même bien, il y a une grosse armée, même bien au-delà. Donc, je vais en faire un peu d'armée. C'est un raccourci. Inajirek, Ntio. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, eux, ils commencent à avoir une plus grosse armée. Mais ils ont des amibites, là, à con. Bon, revenons à nos moutons avant que je sois dérangé par ces gros cons. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé à envoyer des nouvelles vidéos Let's Play sur ma chaîne en ce qui concerne d'abord Viking Battle for Asgard. Pour l'instant, j'ai enregistré 8 parties sur Viking. Ces 8 parties-là, elles sont sur les deux premières îles. Donc il y a quand même une troisième île. Donc je pense, si je dis pas de conneries, si j'avance bien... Voilà, je m'arrête un peu sur le jeu parce que bon, j'ai que diffusé une vidéo, enfin une partie pour l'instant. J'en ai 8. Ça viendra... en temps voulu, hein, comme d'habitude. Puis j'ai commencé, comme je vous ai dit ultérieurement, j'avais commencé Wolfenstein Reinhardt. Donc ça, c'est pareil. Je ne connais pas du tout ce style de jeu-là, donc je sais pas combien de temps il va durer. Donc voilà mon actualité. Donc si vous suivez un peu ma chaîne, surtout sur Wolfenstein, au début je voulais faire un let's play sur Sniper Elite 3, mais le problème c'est que sur Amazon, il est en rupture de stock, donc du coup j'ai fait Wolfenstein, et voilà, donc comme d'habitude... Restez en alerte. Ah putain, la rame arnaque, je m'en doutais de ça. In wedge. Ah, saloperie. Non, j'ai rien perçu. A hero has fallen. Ça vous arrive de parler en français, putain de merde. Oh.
Jerek. Caillou. Caillou. Actieu. Ça c'est quoi ça, en ça? Etymos. Ne. A hero has fallen. Malista. Prostagma. L'éjecte. Isolé. C'est bizarre cet épisode-là. J'ai joué au chat sauvé comme ça. Adieu. Je me doutais qu'il y aurait des ennemis qui allaient paraître sur la map. C'était trop révélateur, quoi. Bon, attendez, on va faire un petit espoir là. C'est quoi ça? Des phoenix? What? What? Non, oh putain, vas-y, roule, ma poule. Gerig. Ah, j'ai rien à améliorer, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, météorite, c'est bon ça. Les phoenix, les mangeurs. Ah, les mangeurs, il est pas mal. Les phoenix, je crois que c'est... Ah non. La météorite, je vais faire casser ça. Ça va être bon ça. Putain, ils ont tué tout le monde. Enfoiré. Ah, faut que je me renforce une armée, j'ai plus rien là. J'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, les vidéos à Shimon que j'envoie de temps en temps, elles sont quand même pas mal suivies, hein, mine de rien. Là où je suis vraiment le plus fier, c'est sur les sur Viking. Enfin, ces épisodes-là, ils sont énormément. Faites entrer cette relique dans la ville. C'est notre seule chance. Ils sont super bien consultés quand même. Hein. Je suis vraiment très très content. C'est pour ça que franchement, ça me pousse à continuer à envoyer ce genre de vidéos-là pour mes partenaires. Ça marche super bien, franchement. Alors surtout ce Viking, hein. C'est les collectibles Viking. Hein. C'est vrai qu'il y a pas. J'avais cherché sur YouTube ce qu'on est avec de vidéos sur ce style de Hachimante, et il y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'on est que 2-3 à l'avoir fait. Voilà, toi. Attention, j'ai envoyé un astéroïde. Bon, allez, dégagez. Oh putain, c'est trop bon. Moi j'aurais cassé un peu de leur base. Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais là? Rentre, bruti. J'ai une grosse armée qui arrive là, c'est bon. Ah bah voilà. Oh putain, j'ai déjà fini. Oh là 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 là. Bon. Bah désolé encore une fois, bah c'est une courte vidéo. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Désolé encore que ça se finisse aussi vite. Hein. Donc moi je vais pas continuer parce que je ne sais pas ce que c'est comme prochain niveau. Hein. Ah franchement, je suis encore une fois désolé. En ce moment, j'ai vraiment pas de chance sur Edge of Mythology, à part le dernier là, en date, qui il y a une semaine et demie, il a duré plus de 40 minutes. Mais alors celui-là, je crois que j'ai dû mettre 15 bonnes minutes encore. Bon bah voilà, donc moi je vous donne bah du coup rendez-vous pour le prochain épisode de Edge of Mythology. Je vais essayer de vous en envoyer deux dans la semaine, mais c'est pas gagné. Hein. Que j'aurais bah du coup j'ai Let's Play à envoyer sur Viking et Wolfenstein en même temps plus les divers vidéos Hachimante, mais ça à envoyer c'est très court, ça met 20-30 minutes, ça dépend du temps d'uploadage
Du coup, voilà. Donc voilà, ça dépendra. Donc bah moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes diverses vidéos que je diffuse sur ma chaîne et à liker ou pas s'il y a des si vous avez aimé ou pas, s'il y a des choses à modifier ou pas. Donc voilà, moi je vous dis bonne soirée et ciao ciao.